Fodé Fekkani Camara, l'homme aux multiples métiers, est devenu le chouchou des internautes guinéens sur le web. Aujourd'hui, ce canal qu'il a utilisé pour se faire connaître est celui qu'utilisent certaines personnes pour nuire à d'autres. Cette fois, nous parlons de Fekkani Camara, l'artiste humoriste, après avoir apporté un démenti à une première accusation le qualifiant de gay dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, a pris un second coup pas longtemps. Pour en parler, nous recevons la star du web, Fekkani Camara, entre révélations sur sa vie et sa carrière. La star du web est parmi nous ce soir. Quel accueil, Fekkani. Laisse-moi t'aider. Alors, quand même. Voilà, assieds-toi. Voilà. Assieds-toi. Hop voilà, grand. Voilà, c'est ça. Non. Ça descend encore. Attends. Fekkani, je pense ça encore. Je pense qu'on va lui changer. On va lui changer de chaise. Il y a quoi? Quelle rare lui. On a rare les boules de Fekkani à partir. Changez-nous la chaise là, vas-y. Changez ça. Envoie la chaise là. Envoie-lui une autre chaise. Donne-moi ça. Fodé Fekkani, ça c'est ça on appelle un accueil chaleureux. Ah, c'est pas grave. Non, qu'il est une star ni là. Voilà. Bigo. Camara, Camerimba, yo. Ça va? Ça va. T'es bien assis? Ah, hein? Est-ce que maintenant on peut recevoir Fodé Fekkani, s'il vous plaît? Coucou la famille. Et tout à l'heure en coulisses, on n'a pas arrêté de rigoler, le gars à chaque fois il dit coucou la famille. Sous les gars, coucou la famille. Coucou la famille. Fodé Fekkani, comment ça va? Ça va, Raïm, ça va, tu vas bien? Ça va Dieu, merci. Ah, ça me fait énormément plaisir de te recevoir. Ah, aujourd'hui, tu es coquette. Ah ouais, ça te régale la baisse. Eh, Ota. Régale la baisse. Hey, ça me gêne. Ça me gêne. Homme désiré. Hey, quelle intention. Quelle rare lit. Et Allah, fira no boulou boulou fira na yete kulu Allah wana finara la pena la pena la capitale cuit. Mm-hmm. Je vous ai dit aujourd'hui on va beaucoup rigoler au compte de cette émission. Ça nous fait énormément plaisir de te recevoir sur ce plateau. Il y aura une idée. Voilà, donc on va parler. On va parler de beaucoup de choses, les gars, d'accord. Entre autres, on va parler de ta carrière. Tu vois, et Asigui, tu viens de sortir un nouveau morceau là qu'on appelle Démarcheur de bouche. On va voir le morceau. Voilà, Derrière. On va voir ça tout à l'heure, mais on va parler également de toutes ces polémiques qu'il y a autour de l'artiste et tout. Et on va surtout parler pour notre directeur artistique et également pour notre consultant. On va parler du genre musical proprement dit de Fekkani. On va essayer de situer beaucoup de contexte. Mais d'ici là, vous le savez, nous sommes dans une période de corona. D'accord, et on va partir d'abord avec la minute stop corona. Mais aujourd'hui, c'est Fekkani qui va nous faire la minute stop corona. D'accord? Oui. Fekkani, il va t'expliquer. Tu vas faire une minute top chrono. Voilà, une minute dans la bas. Tu es en train de parler de. Il a geste barrière Kerim Falafé, du début à la fin. Mm-hmm. Une minute. Maintenant, une guerre après, nous, on vote, on va dire si c'est bien ou pas. Mm-hmm. Il geste barrière Kerim Tongo, soit lavage des mains, ou bien cache-nez, ou bien distanciation sociale. Mais une minute stop chrono. On lance le jingle et on revient. Compris? Oui. Voilà, comme regard. Donc, une minute, top chrono, c'est parti. Voilà, le corona, on va laver la main, avec, on va maxer la bouche, voilà, on va faire la distance. La corona, là, c'est dangereux. Ouais. Voilà, c'est la corona, là, on va éviter. On va éviter. Recherchez-vous. Voilà, on a fait. Corona, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Voilà, on va rester chez vous. Tout le monde, on va laver la main, la haut des Avelles, avec la gamma. Ouais. Ah, ok. Ah, tonton chéri, pourquoi tu voulais moi? Non, c'est pas le bébé. Pas le bébé. Oh là là. Ah oui, on va essayer une minute d'arrêt. Avec une tu se mets avec qui? Tu vas faire la. Chaque fois tu vas faire la maths, ça là. Regarde, chaque fois moi je suis sûr ça. Moi je n'ai pas porté la maths. Chaque fois moi je suis là. Ok, ça c'est. 4, 3, 2, 1, 0. 0, c'est bon. Oh, coucou. Bravo, Fekkani. Coucou la famille. Coucou la famille. Non, moi, je like. Hein. Non, tout le monde, ouais, tout le monde like. Dis ça, j'aime bien. Non, moi, je te like. Et puis, les messages passent avec une bonne humeur. Voilà, tout ça. Voilà, c'est tout. On ne stresse pas les gens. Mais vous savez, le gars, il a un problème. Je vais vous le dire tout de suite. Il a un problème avec la. Ah, c'est tu connais la. Merci. La. Il dit jamais le.
Lui, bah, tout est là. Non, 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 écoutez, non, attends. Monsieur Ali, bonsoir. Bonsoir. Nino, ça va? Ça va. Tu vas bien, on a les Zipouniens. Oui. Ah, je t'ai compris. Voilà. Ok, Fodi Ala, ça, la Raïm. Moi, je suis lui à l'école. Moi, je ne fais pas les trucs là. Chaque fois, le prof là, il est venu, il a dit qu'il est là. Oui. Bah, moi, je t'ai acheté la slabeur à l'heure là. Oui. Les enfants, il va se lui à la maison. comme les enfants, chaque fois, il a écrit coucou la famille. Coucou la famille. Ah. What? Je pense qu'on aura besoin de sous-titres dans cette émission, c'est un truc de ouf. Ça commence déjà très très bien pour les Pekayi. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler sur ce plateau-là. Alors aujourd'hui, Ali Leno Sekouma, tout le monde connaît Fode Fekayi. Fode Fekayi a commencé déjà. C'est monsieur Fode Fekayi, comment faut te préciser. Monsieur Fode Fekayi Camara, parce qu'il est marié, père. Ma mari reçoit Warina, ma guinéna, Ribar son Warina, Rido Toufaina, Wanyi, Mouquette Rabedarina, Na. Fode Fleur, Bénévénéna. Fode Fleur, il t'a. Coucou la famille. Alors, Fode Fekayi, on l'a tous découvert sur le web, bien entendu. Enfin, pour moi aussi, et pour la majeure partie d'entre nous, on l'a découvert sur le web. Et Fode Fekayi, c'était à travers des vidéos insolites et tout. Il faisait rire beaucoup de gens à travers son propre style à lui, tu vois. Ou c'est cool, ça me gêne et tout ça là. Et on l'a découvert. Oh my God. Oh my God. Et Allah n'en s'est barré d'être. N'en s'est barré d'être. Et Allah. Et voilà, entre autres. Et aujourd'hui, Fode Fekayi. Et la gars, il a le managé. Il a un manager, il veut dire, c'est très bien. Et aujourd'hui, Fode Fekayi est chanteur. La chanteur. La chanteur. Oui. D'accord. Alors, Fode Fekayi. Oui. Moi, j'ai envie de te demander, moi, mais Marouane fait. On va parler en français, parle s'il te plaît. Parce que les fanatifs, ils vont te comprendre, on va se parler. Oui, on va parler en français. Comme les fanatifs, tout le monde n'a pas à comprendre la soussou. On va parler un peu la soussou, un peu la français. Exactement. C'est pourquoi je vais souvent en soussou, souvent je vais en français. Ok. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser là, je la pose en soussou d'abord. Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. À part la vidéo. Tu sais, tu as commencé à travers des vidéos sur Internet. Oui, tu vois. Mais là, c'est quand tu as commencé. Ani Rouni, il finit mané Sigisara, Naleri, Ka, Feeling Nanyer, et après tu es venu à la musique. Ou c'est depuis le début tu voulais être chanteur. Voilà, merci. Vraiment, je te félicite pour les demander pour les aujourd'hui. Ouais. Vraiment, je suis cœur de toi. Je suis Nyalakhin. Faut dire en français, moi je suis content. Tu es content. Ah, ok, c'est quand même merci. Oh là là, merci. Voilà. Tu as vu? Ouais. Une cérémonie de Bama, mariage, Naki, Sabar, Naki. En un temps, on fait de manière sexuelle, on fait des artistes, on fait des boulots. Voilà. On a un succès dans ce truc d'un seul coup. Allah Ramar Girinara. On a un refagné Sabuira. Allah. Dunia fibriya sama ala na ngumma tanan nake nana vraiment mbara nyala ko tout alhamdoulillah rabbil alamin mon do bi mon ne ma sinda fole fibri a fole na ma sigi sa fi tankel ko Hussein Kaba nam Hussein Kaba espace non Hussein Kaba il est à Paris là Hussein Kaba le manager ah le manager ah, okay. Tu as vu oui Hussein Kaba na fa na ka ko bri sunye million en aso studio na ma wayni ne re fala ma ki ma me refi mo ha fin de sigira na kata na aso studio na sigisa après na kata alhamdulillah tout alhamdulillah rabbil alamin Hussein Kaba suivre ton kono ben ma mama na ge aussi Ousmane Conte comme voilà vraiment aussi vraiment me rire ko bina fi sir wali ndo ko gede tout na fala na ma famille bilinde Il n'y a pas de moral à la fin de la vie. Il n'y a pas de rapport à la fin de la concours. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. Il n'y a pas de fanko. On entend la fantôme. C'est ça. Ogele ma dère dit ma. Ogele ma dema muyen. Ogele ma ah le ma beau. Ça va. Alors autour de la table, dites-moi, vous connaissez déjà personnellement Fekayi? Bon, moi je l'ai découvert il y a près de 2 ans. Au début c'était à l'espace culturel Fougou. J'entendais parler de lui, je le voyais souvent faire de l'ambiance auprès des artistes comme Ibro Niamé et autres. Mais le découvrir exactement, c'était en Égypte, lors de la dernière Cannes, parce que nous étions dans le même hôtel. Mais c'est là où j'ai vu la dimension artistique et l'humour que ce monsieur possède. Ouais. Parce qu'au-delà d'être un artiste,
c'est un grand supporter. Ouais. Ça, en Égypte, c'est qu'il a montré en Égypte, non. Il est réel, en fait. Non, 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 non. Je te dis, quand le Sili National doit jouer, lui, à 3h du match, non, lui, sa combinaison est prête. L'hôtel, c'est fini. Dans les rues d'Alexandrie, non. Il te prend là tous les. Non, quand il sort, je te dis non, c'est tous les Égyptiens qui venaient. Je te dis pas combien de photos il a pu faire là-bas. Ouais. Mais quand on venait au stade, non. Il y avait le comité national des supporters qui était là. Mais lui seul déjà, non, 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 non. C'était vraiment un homme orchestre. Et moi, c'est là-bas qu'il y a eu cette sympathie entre lui et moi. Et sincèrement, et j'ai découvert son slogan, quelle intention. J'entendais souvent quelle intention. Quelle intention. Sincèrement, d'Alexandrie au Caire, quand même, il a vraiment assuré. Et puis bon, voilà. Il se sent bien dans sa peau. Pour moi, c'est le plus important. Alors Chekouba, pour toi qui est directeur artistique, directeur coach vocal et tout, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut classifier la musique de Faux de Fekai? Bon, tout d'abord, je dirais que moi, j'ai rencontré Fekai, je pense que c'était dans une émission. Je ne sais plus, la première fois qu'on s'est vu, je ne sais même pas si c'était à si, je ne suis pas sûr, mais c'était une émission artistique et c'est la première fois que je le voyais. Et moi, en tant que, comme je suis assez curieux, parce que comme tu dis, côté artistique et tout, j'ai fait des recherches. Je me dis, ah, j'avais entendu déjà le nom. Depuis la CAN, j'avais déjà entendu le nom, mais c'était ma première fois de le rencontrer. Alors j'ai fait des recherches, j'ai vu justement les vidéos qu'il faisait et tout. Et en tant que directeur artistique et musique et tout, moi je qualifie Fekai comme un entertainer. Comment on dit entertainer, je ne sais pas comment je peux dire ça. Arrête de dire les trucs en anglais. Je ne sais pas comment le dire, un showman. Voilà. Si tu veux, je pense que c'est la meilleure manière de faire. Voilà, un showman. Maintenant, dans le côté artistique que j'ai respecté, il a abuse le gars, quoi. Non, mais je ne sais pas comment le dire. Un entertainer. Il n'a pas l'anglais. Oui, il n'a pas l'anglais. On a du mal avec le français du gars, tu le mets dans l'anglais. Pardon. Moi, je l'ai entendu en anglais. Moi, je n'étais pas l'anglais. Mais tu vois. Et tu vois, la chose que j'ai respectée le plus chez lui, c'est qu'il est ce qu'il est. Exactement. Il n'essaie pas de changer autre chose pour plaire aux gens. Il est sorti lui-même, la manière dont il se comporte tous les jours, et il a séduit le monde avec ça. Exactement. Et ça nous montre encore à quel point le niveau artistique est tellement varié. Il y a mille et une façons de faire son art. Son art, d'abord, il était comédien, humoriste et tout ça et tout. Et même la musique, tout ça, ça fait partie du showman. Tu vois, quelqu'un qui apporte de la joie et de la bonne humeur aux gens à travers ses multiples facettes. Et moi, ce que j'ai vu, franchement, je le qualifie comme un showman. Et personnellement, regarde, moi j'adore rigoler, j'adore m'amuser. Depuis qu'il est là, je me fends la poire. Et c'est quelque chose de très difficile à faire pour un artiste. De toujours garder les gens autour de toi dans la joie et la bonne humeur. Ce n'est pas facile. Je voulais juste ajouter quelque chose. Et moi, ce qui m'impressionne chez lui, il est vrai dans ce qu'il fait. Voilà, il n'essaie pas de faire le clown comme certains savent le faire. Lui, il est naturel, il a son accoutrement à lui. Mais bien. Tout le temps élégant, et bien habillé. Et en plus, sa force principale, c'est sa communication. Il a eu cette inspiration, ça vient. Et puis, il arrive facilement à prendre là, il en fait une comédie là. Tu vois, tout à l'heure, cette combinaison entre lui et l'échec. Donc, il communique bien. Et après, ce qui peut-être après impressionne les gens, qui crée encore d'autres débats. Quand tu le vois, tu as l'impression que non, c'est un homme efféminé qui est devant toi avec sa gestuelle. C'est tout ça qui fait Fekai ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce qui fait sa beauté, c'est ce qui fait sa particularité. Il est célèbre et les gens le lui rendent. Il est célèbre, il sort à la télé, il a sa chaîne YouTube, les gens le suivent et tout. Moi, je le vois du positif en fait. C'est ce que moi je vois. D'accord. D'accord. En tout cas, Fekai Camara, tu as la classe, mon gars. Ok, il n'y a pas de problème. Comme moi, j'étais tout en moi, je suis propre. Moi, je suis coquette. Il n'a mes artistes. Marie Fanny nous fait un ténara. Il m'a communiqué. Je m'a dit que un système qui est partout. Je m'a dit que je suis un femme. Je suis un homme. Voilà, Nanara. Il est un artiste. Alors, merci beaucoup, Fekai. Alors, aujourd'hui, Fekai Camara, tu as sorti un morceau intitulé Démarcheur de bouche.
Alors, pour vous qui n'avez pas encore regardé Des Marcheurs de Bouche, si c'est prêt avec Fatou, on va regarder Des Marcheurs de Bouche et après tu vas nous dire quelle est l'histoire derrière Des Marcheurs de Bouche. Ok, il n'y a pas de souci. C'est bon ? Il n'y a pas de problème. On y va. Des Marcheurs de Bouche de Fekayi Camara. Donc dans Des Marcheurs de Bouche, est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est quand même un très beau clip réalisé par Moniman et c'est une production de 4 cantons dont son manager OC est le directeur général. Félicitations vraiment pour le boulot, c'est un boulot de qualité. Alors, pour les Pekai, Bouzi Matinen, Anou Karasi. Bouzi Matinen, Karama Abinin Sarena. Na falen nga benen sa sigi mo me manu ali ba fala sigi mu yom manu sigi mu yom manu ba na se ma si tu yom matine soutien na san kiri mati birin fure matin tas mati abirin waya mati tunde won kuma waya na hanne na birin mati khali pour toi pour toi pour le public oui mais ils comprennent t'en fais pas Faut que tu aies traduit à la toi tu comprends pas tu veux dire qu'est-ce que je comprends quel de quoi tu veux tu as compris la waya je comprends très bien tu parles en soussou quand même la majorité des guinéens comprennent tu connais waya dans voilà tu connais je sais pas qui parle soussou là il y a caoutchouc les tasses de caoutchouc je comprends faut pas les avec tu connais la pétrole classique moi je te fais alors qu'est-ce que vous pensez à chaud du morceau de Fekayi Camara ok. En tant que, on va pas parler direction musicale ici, on va pas parler. Non, vous connaissez déjà son genre musical, vous l'avez déjà dit. Donc, en fait, ici, là, on ne parle pas de genre. On parle de quelqu'un qui veut véhiculer un message, quelque chose qu'il a dit. On le met, on le met sur un son et il dit ce qu'il a à dire. Maintenant, si jamais, par exemple, tu l'envoies devant un juge, la manière dont il change, certains peuvent dire non, ben écoute, ça ne marche pas dans les standards de la musique. Mais dans le standard du showman,
C'est des règles qu'on n'a pas besoin de... Il est venu, il a fait un show, le message passe, on entend bien sa voix, l'ingénieur a fait un bon boulot, c'est-à-dire que le morceau il passe, c'est tout. Hein. En fait, il passe par la musique pour véhiculer son message, parce que les gens écoutent plus. On a eu combien de gens dans le monde qui ont fait des morceaux, ce n'est pas des bons chanteurs, mais ils ont pu véhiculer leur message, et avec ça, ils ont même grandi. Et pas seulement qu'ici, dans le monde entier, on voit ça tout le temps. On a vu des gens qui ne sont pas du tout de bons chanteurs, on a même vu des gens qui sont de très très bons chanteurs qui n'ont pas réussi non plus. Donc c'est pour ça que tu dis que les standards ici, vraiment, il n'y en a pas trop. Si maintenant tu me dis que si on doit aller par exemple à The Voice, c'est quand même, lui-même il va dire Dieu, moi je ne peux pas aller à The Voice. Non, il va aller dans une autre catégorie. Exactement. Donc moi je le mets dans la catégorie de la comédie. Allez, vous l'ajoutez quelque chose musical. Oui. Voilà, musical, c'est là-bas, moi je le mets. Moi ça passe. Déjà j'aime bien le titre déjà, Démarcher de bouche. Ouais, c'est déjà. C'est assez polémique déjà le titre. Oui, et puis c'est accrocheur. Ouais. C'est accrocheur. Ceux qui ont choisi en tout cas le titre, c'est un titre qui accroche. Et après, le message il passe bien parce que c'est la triste réalité. Voilà, on dit des choses sur toi, même si tu n'es pas ça, je pense sur ce plan. Et puis, à l'intérieur, vous voyez dans ce clip tout le talent que ce jeune artiste possède. Son talent d'acteur comédien, ça c'est quelque chose, lui, je pense qu'il a une très belle carrière dans ce domaine. Ouais. Après la musique maintenant, pour passer des messages, c'est autre chose. Mais je pense que, puisqu'il a commencé, il a déjà un album sur le marché, il fait sortir des singles, je pense que sa structure doit aussi essayer d'améliorer vraiment sa technique de chant. En tout cas, s'il veut aller loin, parce que le succès, vous le savez, ça se travaille et puis c'est dans le temps. Donc, je pense que son manager aussi qui est présent, qui nous suit, et toute l'équipe qui est derrière fait gagner, il faut qu'il trouve quelqu'un. Cheikh Oumar est là, deux personnes sont là, pour qu'on puisse vraiment l'améliorer pour qu'il chante. Parce que quand tu suis un peu, tu vois, il y a de l'autotune dedans, on essaie de monter un peu, ajuster sa voix. Voilà, ça se ressent directement. Mais Fekane, le connaissant, c'est quelqu'un qui veut aller très loin. Je pense que ça ne coûte pas grand-chose. C'est de trouver quelqu'un qui peut le coacher, améliorer sa voix, mieux travailler sa voix et puis lui donner vraiment cette bonne diction. Je suis d'accord avec je pense mon frère. Ça va aller mais très pour terminer vite fait là-dessus. Oui, très bien fait. Je suis d'accord avec mon frère, mais à 80%. Je suis d'accord avec lui. Et ça, c'est un message que j'envoie au management et tout ça. Tout dépend d'abord, vous voulez comme quel genre d'artiste. Il l'a dit, si vraiment il veut devenir un chanteur. Lui, c'est de la comédie musicale, en tout cas. Dans ça, il faut donner des cours. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas non plus oublier que moi, il ne faut pas qu'il se disperse. Voilà. D'accord. Moi, là, le message, il est passé, j'ai bien entendu et tout. Maintenant, je ne le vois pas faire des altos, soprano, je ne le vois pas faire ça, c'est clair. Maintenant, c'est là que je dis, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai, si c'est le chemin qu'ils veulent prendre. Mais il ne faut pas oublier un truc. Lorsque tu veux emprunter un chemin qui n'est pas forcément le tien, tu as tendance à te perdre. À te partir. Donc, très bon conseil, mais qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent faire. Quelle direction je crois qu'il sait déjà. Et quel genre de musique il veut prendre. C'est vraiment la musique qu'il veut faire, tu vois. Je crois qu'il sait déjà quel chemin il a envie de prendre, n'est-ce pas, Fekane? Oui. Quoi? Il a tiré la colonne déjà. Il a tiré la rangoume. Il a tiré la colonne. Il a tiré la colonne. On va le redire. Il y a de l'amélioration en fait. Voilà, voilà. Moi je travaille à les morceaux là. Chaque fois, moi je fais ça. Guénédine dit qu'à nous aussi, maman Agé, à nous, Raja, il a la suche. Chaque fois, il va envoyer les sons de Raja. Son Raja, il dit que non, c'est pas bon. Il faut refaire. C'est super, il y a du coaching derrière. Moi je fais des matchs. Moi je fais des 4 fois. 4 fois, 5 fois. Chaque fois, moi je vais partir à la studio. Moi j'ai appelé Mahmoud Dinar avec Abbas et Ansani. Tu connais la basse? C'est un ancien artiste là, c'est mon grand, mon frère. Après, il dit que moi j'étais appelé ça, il va se donner les idées. Moi je dis que moi je vais chanter pour mon histoire. D'accord. Quelle histoire? Moi je dis que aujourd'hui le morceau que tu as sorti Démarcheur de bouche, on a vu beaucoup de choses sur internet. Ton morceau Démarcheur de bouche, c'est adressé à qui? Les adresser les tout le monde derrière. Mais rien à faire, il fallait me ramener qui me colon
et y a pas à l'autre côté on a un demi quel qui économie faut les colo quand on adhère sur la vie à l'autre côté on a dégagé des il va se dégager pour les ton histoire il va s'aligner il ne te connaît pas ni rien il n'a pas de connaître les même s'il est au fond moi je t'ai senti ça ma bien non regarde voilà ça c'est mon histoire comme chaque fois les gens ils se sont quitté chaque fois ils me saboté je n'ai même pas femme bidi ma une rafan bidi même si ma sa toma non une rafan dunia bidi une rafan bidi ma fira lune 100 personnes 80 mais 20 personnes il rafala me rafé nanan to fan artiste rafé lui nanan if me sa toma le rond de femme na lire tan na fala mo ma fé lui me fait ndra mil mel le rondé il ba ma na 20 dera alu 19 personnes progressivement. Aguru manaki na sagama na kina sagama na kine. Doi doi nara. Nana na de marcheur de bousa. Na kuina naka. Voilà de marcheur de bousso comme on dort bien. On na fala fe kina on se la faire manaki na wonga neto. Wonga wonga na yamba dina. Alors par rapport à cette question donc je vais te demander si tu permets bien entendu parce que les gens se posent la question et les gens ont envie de savoir. Parce que si tu as sorti des marcheurs de bousse c'est dû à certaines polémiques sur internet. D'accord. Maintenant suite à il a senti que je viens de dire quelque chose de lourd, il a levé ses lunettes direct. Les gens ont besoin de savoir aujourd'hui, parce que, comme on l'a dit tout de suite, tu as un style atypique, tu as ton style à toi. Tu vois, Ida Kidana et tout. Mais là, aujourd'hui, les gens se posent la question, à savoir si... Faut t'aider à la française. Voilà. Même si la française, faut te dire. D'accord. Alors, il est dit aujourd'hui que Fodi Fekani est bisexuel. Voilà. Faut te voir. Il est dit aujourd'hui que Philippe Cagne est bisexuel. Alors, les téléspectateurs nous regardent. Beaucoup de gens sont en train de suivre ce direct-là par rapport à tes révélations, par rapport à ce que tu vas dire. Alors, de pour toi... Pour ceux qui ne comprennent pas bisexuel, c'est quoi? Explique un peu. Bisexuel, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quelqu'un qui sort avec un homme et qui sort aussi avec une femme. Et aujourd'hui, plus que toi, à la fois. Et aujourd'hui, plus que toi, tu es marié. Non, il faut laisser la mariée d'abord. Non, nous n'avons pas encore eu. Oh, c'est moi, ma langue, ça fait 2 ans et quelques 3 ans, n'a pas eu. Mon amour, Bourra. Ah, non, qui? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, n'a pas fait que nous, c'est bon, d'être par la colonne. Bah, faut me rendre à tous les bendins. Un artiste, Guinara de Guinara, Guinara, un artiste, il m'a dragué, il a fait ça. Quand moi, je fais passer ça, il n'y a pas de problème. Non, qui? Un temps mort, qui n'est. Depuis la mara, ma fille, il n'a pas de problème. Dakinara. Moussou, ready. Na tout donc nous sommes barrés qui n'est pas à comprendre barrés qui n'a pas gagné ou l'île à bas ma signe mané qui me font de rassette ma n'a les signes des ma février n'a gagné d'arrêt une guinée l'une tourne à l'école une guinée n'a pas ma numéro 10 heures ma lundi lundi m'pourrait ça tombe pour les soucis à qui l'école n'a pas gagné n'a pas démissionné rendez école maman n'a pas gagné c'est ma fille ou école bé balou le son quoi n'a pas gagné 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 n'a pas Je ne sais pas si je suis en train de me faire.
faraline a intention ne roni a volonté ne be yo ntan woy magina darin sandra ba ma muna kanare ali madem baye ma famille kolo magina kolo ma to nana na fala ya comprendre na ka magina musaka ma ceremony amusaka ma demba do ma fala ka fala fe comédie anara na fala ka ne ala ko merin dina sa fala te ala ade mo weki ma annam bela sira ma na ka fa kolo annam de mo weki ma na ka kolo ya kolo ntan nan de mo weki ma kona an famini ana saka ceremony ma na saka boîte fo merin dara sou sana ka karin agara tia weni ma nana dunya febili nana merin fi fatera famille garde di nana alhamdulillah rabbil alamin toto bila fala fetu ala na kiti masin dunya nanara moya magina da ritan kun nan demo weki ma munan wana tandan da ali ba mai ina gine ina non magine voilà ler na na kina banda kina na ki magina kulo kono munso be ire munso be ire tandi a comprendre mane ya tun magame bara kono magame na bene ba amuno mabela rasira dem fangam bela rasira voilà a fo sobe ire tandi a tra bela rasira ba ita bela rasira ba Écoutez, bon, en tout sérieux, nous avons tous des secrets. Personne n'est parfait. Deuxièmement. Troisièmement, il y a aussi s'accepter tel que l'on est. Quatrièmement, tout le monde n'est pas pareil non plus. Il y a des gens qui ont une manière de vivre, qui ont un style de vie différent des autres. Mais malheureusement, lorsque tu es artiste et que tu es célèbre, tu donnes l'occasion aux gens de te juger matin, midi, soir. Même si tu sors de la même manière que tu sors tous les jours, juste parce que tu es célèbre, les gens vont te critiquer. Maintenant, moi, ce que j'ai à dire sur ce sujet, par exemple, on lui a posé la question, est-ce qu'il est bisexuel? Il dit non. Maintenant, moi, j'ai une question à poser. Même si il était bisexuel, ma question à tout le monde c'est, et alors? Ça c'est ma question. Tu la poses à qui déjà? À tout le monde, au moment. même si il dit non, mais même si il l'était, ma question au monde c'est, et alors? Et alors c'est quoi? Ça veut dire, et à où est le problème? C'est ça, c'est ce que je veux dire. Il a donné sa réponse. Donc maintenant, les gens qui soient contents ou pas contents. Mais moi, admettons que tu amènes quelqu'un ici un jour qui dit, on te dit, ah, tu es bi, et puis il dit, oui, je le suis. Et alors, c'est toujours un être humain. Il vit comme toi et moi. Il va au boulot, il a son salaire, il fait ce qu'il a fait, il t'embête pas, il fait rien. Donc ton problème, il est où? Je veux en fait que le monde entier se met dans la tête qu'il y a des priorités dans la vie. Le gars, il fait un boulot que moi j'apprécie. Il me fait rire, j'aime ce qu'il fait, tout ça là. C'est ce que je vois. J'ai pas besoin de savoir ce qui se passe chez lui. C'est pas mon problème. C'est l'artiste que je vois et que je juge. Michael Jackson, le grand Michael Jackson. Tu sais ce que Michael Jackson a vécu dans sa vie? Michael, on l'a traité de tout. À un moment donné, il est efféminé, on a dit que Michael Jackson, on a dit qu'il est homosexuel. Il est passé par tout ça. On a dit que Michael Jackson n'aime pas les noirs. Il n'a pas... Le gars, en 50 ans de carrière, le gars est passé à travers ça. Donc moi, j'ai dit à tout le monde, franchement, il y a d'autres allez, sujets. Allez, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Je pense que il a tout dit. C'est son environnement. Il est né comme ça, il a grandi. Et puis, comme Fekani, il y en a plein. Ça ne finit pas. Les hommes comme les femmes qui ont évolué dans cette atmosphère. Et puis, pour moi, c'est sa vie privée. Tout ce que j'ai à lui dire, aujourd'hui, il est un homme public. J'ai compris que lui-même, il prend ça avec beaucoup de philosophie. Et puis, il continue son chemin. Mais comme l'a dit Cheikh, s'il était homosexuel, où est le problème? C'est sa vie. Aujourd'hui, là, le phénomène gagne du terrain chez nous en Guinée. Et c'est dans toutes les sphères de notre société. Laisse-moi terminer. En Égypte, où on dit c'est un pays musulman, le resto qui était à côté de notre hôtel Kaoud. Mais moi, j'ai été dragué par un homosexuel là-bas. Je me disais, est-ce que chez les Arabes, ça peut exister? Mais ils sont nombreux. Mais il le sait. Parce qu'on était à côté d'un hôtel, d'un restaurant où... Mais attends, on ne cache pas. Les deux, vous ne seriez pas en train de... Non, excuse-moi, non. Moi, ce que j'ai envie de... Écoute-moi. Laisse ce que moi j'ai envie de dire. Je n'ai rien contre ces gens-là. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène qui gagne du terrain dans notre pays. Je pense que ça va être un aussi jeune débat. Mais chez nous, même, ça devient plus grave. Que ce soit les hommes ou les femmes, c'est un phénomène vraiment national. Et c'est dans toutes les sphères de notre société. À un moment donné, là, je te jure, il est temps... Je le dis, et puis j'adhère à cela. Il faut que nos députés, ils pensent maintenant à envoyer une loi
à l'Assemblée nationale. Un Lilédo. Non, mais laisse tomber. Attends, on parle sérieusement. Oui, allez-y. On parle sérieusement. Oui. Parce que cette fois-ci, il faut légaliser ces chances-là, qu'ils sortent de leur cachette. Parce que tu sais, dans l'ombre, combien de personnes sont en train d'être manipulées, gérées, gâtées. Non, on sort dans ça et puis on assume. Ils sont là, ils vivent avec nous, ils marchent avec nous, ils font tout avec nous. Qui se plaint d'eux? Ils sont dans les cérémonies, ils sont dans les mariages. Qui les chasse? Dans les forces de l'ordre, il y en a. Dans la sphère politique, il y en a. Ouais. Dans le monde des médias, il y en a. Ouais. Dans le monde du sport, il y en a. Dans le monde de la culture, il y en a. Attends, et on se connaît. Mais on rit, on blague avec eux, à chacun sa vie. Celui qui a choisi d'être comme cela, il est comme ça. Mais celui qui n'est pas comme cela, ce n'est pas la peine de dire, c'est ça. Mais je pense que lui, il prend ça avec beaucoup de philosophie. Il est artiste, il est homme public. Il assume aujourd'hui ceux qui ne savaient pas comment il a évolué. Il a raconté ce qu'il a voulu. Maintenant, ceux qui veulent dire maintenant d'autres choses de lui, ils sont libres. Quand il est justement qu'il a rendu même célèbre. C'est là le problème. C'est ça qu'il essaie de dire en fait. C'est le problème là qu'on a. On dit qu'il est ceci, cela. Mais il n'a jamais caché qui il était. C'est sa manière dont il dit, je suis né comme ça, j'ai grandi comme ça, je vis comme ça. Donc je suis un peu féministe comme ça, je suis. Mais c'est ce qui l'a rendu célèbre. D'accord. Alors même si quelque part il est... Il est où le problème? Rain, il faut que notre société évolue. Aujourd'hui, nous sommes dans une vie au-delà. Je pense que l'homosexualité et la prostitution, il faut la légaliser dans notre pays. Et puis on avance. Ça, je suis d'accord. Et puis on avance. Non, on va revenir là-dessus. Voilà. Je garantis qu'on va revenir là-dessus. Alors, faut les pécailles. Oui. Pour revenir à toi, donc, tu vois, ce sujet-là, il est tellement vaste que quand on le touche, on va sur différents aspects et tout. Mais pour revenir à toi, pour que tout le monde le sache, parce que aujourd'hui, si tu as sorti des marcheurs debout spécifiquement, c'était dû à une polémique sur Internet que tout le monde a vue. D'accord? Il y a eu une vidéo sur Internet qui a été diffusée de toi en train d'être agressé par quelqu'un. J'ai pas voulu diffuser la vidéo parce que pour moi c'est une vidéo rabaissante, tu vois. Quelle que soit ta nature, quel que soit ce que tu fais et tout, ce monsieur-là n'avait aucun droit de porter main sur toi. Moi je pense que ce gars-là devrait être enfermé. La personne qui a filmé ça devrait être enfermée. Mais là, puisque ça a fuité et que ça fait des trucs et tout, et on a quand même écouté ce qui était dit dans la vidéo. D'accord? Quoique c'était une vidéo de sauvagerie absolue, mais on a quand même écouté ce qui était dit dans la vidéo. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah voilà, ok, na fi na hanaki alhamdulillah rabbil alamin ya bara ma ora matu na falane na ke mun justifier ma rebeto no banan sema indi justifier ma ba nyere mane wen ya ba sanyina sotoma asanyi sota ba ga sota nyen soto anyanda ni su fata fati awani su da fati ko da evoli manane alahu wa mali amina dunya la fi fi alahu wa tanga yam fante yam fante an su ro ma de na nara na video na hanaki ala bara ara giri igana nan sanko ko na dan inna nan fala ne yomuna passe mun hambe ini findi me ngere na findi ministre ere nya ko me ma fa ga passe ra min ne force degree a fa ga passe ra anu itun na be ni ga gli so to sin be ni ga findi ga ga ge ga randi fi dan gine findi ndi ibure ndi bombo ne findi ndra ba ne ra na me yomuna na mun na handu funa ga mo ba kuru kuide mo ba langa ma ko na kan tam mo ko karti a bar na ki fu fini de gara banera e ga histoire kui soit ira transport abira soit taxi man de rese ze travaux ma fini tam ima so ko fini de rimas to travaux ma voilà na kui mo no guiné na voyage fi sera fait Dakar on va fala na mo do auto kirin kui na ler ni sama auto crane bantan Dakar ngara folo na depuis en 2009 fin 2008 na sera folo Dakar na kui na commerce folo nous couvrons des marchandises, nous couvrons un stoma. Nous sommes à Dakar, à Singe à 200 000 CFA. Nous sommes en Falamana qui est à Dakar, à Bénin. Nous sommes à Dakar, 200 000 CFA, maman en Kouni. On mbori ka continue na han so soro meme na han so soro meme na on continue moto se gana na so bangi ko na ndoko en so bangi na bangi vid na se jikere na butu sa ba ko na so na do ron to doko ambu dans 2 minutes comme ça na je ni sa han na fa nu te me dikere ngina kire ngina beto kwa na je mbori na fa mo se se ko mo se se ko lo bor a mon frère fais quoi si
pourquoi tu as fait ça et tu es venu ça ici? Non, on a venu avec quelqu'un. Non, non, non. Pourquoi tu as venu ça ici? Toi, tu es pidi, Andé, regarde, sur le cas. Anadin, Sindé. A ton Nadin, Nakeli, Naradi. Ntaradi, Nadangi, d'un rena finir à minimum. Et finir à minimum d'arrêt. Et un forcément, surtout, mes restaurants tagi. Et mi farama. Et farama. Surtout, Yaman et même d'un d'un colo. Et farama, et même mi farin, c'est Roma. Faut n'aller guillemets l'idée, mais attendez mon azono. Après, quand même. Ana fena nuna anta na fena role na ba Dakar no Senegalais e mutim ba na fi PDF re kara mu ya ni hatte fiima en nakam su gumene gamane halinu anta na role na ba gamene ni anta su gune mun gamma kay men anta ya musuma la ginenu fiima futu re ngire na amu balla ginen ki ginen kiren fa ka kono ala erishima alhamdulillah rabbil alamin atukunu ndo siga do na ba fo kan yin re na ba kan yin na fa kure na anta mali ina kan ne kiri après ina ka tena kan tan na min yama man nasga ndu siga na famu na fa après grand kiren e grand na Dakar na gali fala ma sigi grand tob mi ngana ga yiti fala ma sigi nak am fala gadi am fala fi yema to fi ko mi ma to fi ko bur fi nan na am fala fi mi be na fam ma mi be na bam ma mi be na sendam ma kuna na khiri mu kora kan na yati yati ni nsa na lu na gene din. Allô aussi, à nous Kisawan, à nous Grand Togo. Vraiment, pour le mairie, on te parle beaucoup de qui. Nous yagi yagi mané. Nous yagi yagi mané. Bah, dans mon moment, bon, mal ils l'ont con, ils l'ont con yatra, l'ont con manager des sangletons, et yatra contre pirater na firma, à tout nos combattants imambe. Qu'on a Allah, alhamdulillah, le bilan mina. Na kui, na vidéo na mina, na vidéo fantomini, na kani mairie na ma, na mairie. Nana anti yigi nanti febi dimma video famon mini fedi ba jeune de nangle man na turki donc video ato bi reki non bi na ramine sindi bi na ramine sindi voilà video da fayi taram e video fane man na turki na gido godo na jeune mbo boko den dare gido godo ngwa na turki mo se gari mo to na turki après ne video da fayi mo jeune de na monaco lo angle na ka cameroun na ra a video saragne a video saragne. Donc, à finir, en 2015, tu as une vidéo. Une vidéo tour, il faut que je reste en Turquie. Il faut que je reste en Turquie. Donc, tu as une vidéo à ta vidéo. Non, en fait, je suis en. Après, je suis en réalité. Il y a une vidéo filmée, il y a une vidéo qui est en train de me faire. En cas, il y a une vidéo qui est en train de me faire. Il y a une vidéo. Mon frère, il n'y a pas de l'argent, il y a une vidéo qui est en train de me faire. Il y a une vidéo qui est en train de me faire. Il y a une vidéo qui est en train de me faire. Il y a une vidéo qui est en train de me faire. Il y a une vidéo qui est en train de me faire. Il n'y a pas de problème. Faut voir que tu as un peu de temps pour faire ça. Après, toujours, je suis la grande de la vie. Je suis la grande de la vie. Je suis la grande de la vie. Je la grande de la grande de la vie. Je suis la vidéo de la vie. Je suis la grande 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 de la vie. Je suis la grande. Après, j'ai une femme bloquée. En fait, tout d'un seul coup, j'ai une femme bloquée. Ouais. J'ai une femme numéro bloquée, j'ai une femme bloquée, j'ai WhatsApp, ma bille. Après, en fait, j'ai une femme numéro supprimée, j'ai une femme. En fait, l'une qui quoi. Et t'as fait barrer non? T'as fait barrer non. Enfin, alors on t'a gagné en fin de terme. Après, moi, la grande son nom, vidéo, à y a fait un canard, rien à ma, à bouillir. Dans une vidéo, tout le monde a fait le couloir. Alors, donc il y a une vidéo qui est la grande. Il y a la grande qui est en train de se faire. Il y a une vidéo qui. Après, il y a une vidéo qui vidéo qui est en train de se faire. Après, il y a une vidéo qui est en train de se faire. Après, il y a une vidéo qui est en train de se faire. Une vidéo qui est en train de se faire. Une vidéo qui est en. Amusé c'est comme quand comme nous n'arrivons pas langue na comme manager stressé à faire dire à faire maman voir les ma fait quand ils ont bel les gens tout non ça ça y a vidéo bétanana vidéo bétanana vidéo bétanana quand dangereux na ben moi je dis que la vidéo bétanana va sortir à tout le qui vidéo na na ok pas de pas tout le qui monte qui na nous n'arrive pas nous avons fait un n'arrive tout le qui bat carte na nara carte monte nous n'arrive pas voilà moi dans mon manager na n'arrive pas nous sommes tel que nous n'arrive pas l'enfine bien là c'est fait matin demain ou imam anglais même. Et là, c'est Falama. Donc, oui, on va nous dire son nom. Et là, la vidéo, on va nous. Enfin, une fois, ça, on va nous 6 jours après, 7 jours, une semaine après, on va nous dire son nom. La photo. Une fausse photo. Attends, photo, il y a un monde. La photo, tu as une photo, on va nous dire.
Et tout dit, il va sortir photo. Ouais. Après, il m'a appelé à maman, il est en France, m'a dit bâti. Ouais. Il a dit, ah, faut connaître, maintenant, moi je connais, attends, moi je vais envoyer des photos. Alors, il ne faut pas te énerver. Même de la photo, là, dit. Moi, je ne comprends pas. Même si les vidéos là, moi je ne connais pas. Oui, mais vidéo, il y en a la grande dans la vidéo de la fuité. Ah non, la vidéo, il y en a une grande. Mais attends, il y en a une grande, Mirima. Ta vidéo, il y en a une Mirima. Voilà, encore son nom. Non, la vidéo était déjà vraie, tu ne peux pas l'envoyer à des gens. Voilà, non, 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 attends, il y en a une Mirima, son nom, il y a son nom. On attend qu'il y ait un certain. Alors qu'on a un Yema, son nom, il y a un Fébeta Sendokore. Il y a un Yema, il y a un Fébeta Ma. Na bilin o kan ko ni so non ka akon te amuna na ko se fu gata so ya so ma na ku yi photo na kamini gi video na mina nyen na ko wanye ta kan su su de fina nga faka ba ina ke ita nta ko lo mana wule na ko neta ma ko lo ma wule na voilà et puis photo na amma min na ki e mu ordinateur ko lo ina ti ya amen kan ar ken den so lo ouais imu karang imu ordinateur ko lo i karang ga di ko ne mu ordinateur ko lo imu kir imu ken da kir kas ko lo ya mo yana afrika ina ba na sa ki ina kai ona fi bay bere yati yati amma ran na mabaye ye na o ki a pas de problème ala ki ti sa na ka sere ri ba an fi na amma mi ri bilin yaji ana ka mbori yaji no min tengin di na fura na fan na kai ma den so lo ku plus tard ko de ba ta photo to re ma di mba ya afrika lo magine magine amuna facebook ma magine amuna facebook ma alhamdulillah rabbil alamin ko no magine amuna facebook ma heureusement amuna facebook ma fek madimi na to madimi bi din da buyen ya ko mi bangal ko tan fan ya to konon tan mo se se sa gen na sen de den so ko ngi ma sali de yo ma telephone sonema mo re ko nyala ngal ela naite ti kone ela naite non ela naite ya ima pele ri ke agra faut que penser c'est pas toi non pourquoi attends ya les vidéos ici moi je vais envoyer les vidéos ouais c'est que il est sorti les vidéos ouais. Ils ont sorti les gens, il a eu des défenseurs. Elle a été, tu as vu, elle a été homme déchiré. Voilà. Il a eu des défenseurs qui ont trouvé la vraie vidéo. C'était une vidéo. Non, mais je n'arrive pas à comprendre. Fodé, tu sais, est-ce qu'il y a Kanye Kolo? Tu sais qui a fait ça? Ngai ma mon année Kolo Darima. Allez, ma ne Kolo, ma motine yara. Allez, la magere soma. Mais il Kolo Hali mmanse kolo mo wanyira me non mais asi ye kolo mo ye kolo me kolo ga ah akolo ma kolo mo sese falama hali mmanse kolo masu te musa kamanga ete ala na kanna baakin tambe na mu mambu mala na kanna baakin be ha amura ba me rebe ala woni ga jere so wala dunia na nara hali tamma na kolo mo muti me ya nga falama je comme ça ça non 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 dites moi qu'est-ce que vous en pensez autour de la table en ce moment on vit dans l'époque de la technologie les gens ne réfléchissent même plus tout le monde vit sur les réseaux sociaux. Comme tu l'as dit tout à l'heure, là, il dit que la première vidéo a fuité, c'est sa grande qui a reçu la vidéo. Maintenant, les gens, comment les gens pensent? Les gens se disent, ah, est-ce que c'est vrai? Automatiquement, tu te dis, attends, je vais montrer à quelqu'un qui va peut-être me dire, est-ce que c'est là, est-ce que c'est lui? Tu dis, histoire d'avoir des infos. Mais cette vidéo, c'était lui. Non. Je parle du comportement des gens en ce moment sur les réseaux. Ouais. Ça devient automatique. Récemment, il y a eu des problèmes sur les réseaux sociaux. Les gens ont eu leur compte complètement fermé parce qu'ils se mettaient à partager sans réfléchir des choses qu'ils ne devaient pas partager. On a vu ça. Parce que les gens, c'est dans la tête des gens. Maintenant, il y a des personnes. En ce moment, dans les réseaux sociaux, tout le monde est devenu un caméraman, un photographe. Tout le monde a une caméra, ok? Tout le monde a un appareil photo. Il y en a qui s'en servent pour de bonnes choses, pour genre retrouver un criminel, ainsi de suite. Il y en a aussi qui s'en servent pour des fins personnelles. Genre, ouais, j'aime faire de l'argent, comme ce qu'il vient de dire. Quelqu'un l'a menacé, écoute, si tu ne mets même pas l'argent, tu fais ci. C'est dommage, ouais, ça arrive et tout. Maintenant, moi, j'ai vu la vidéo comme tout le monde. Il y a longtemps, quand la vidéo est sortie, au moment où ça faisait plus mal, moment aussi j'ai reçu la vidéo, les gars disaient, d'abord j'ai vu quelqu'un qui s'est écrit, et puis je vois les commentaires. Et les commentaires étaient divisés. Ouais. Non, c'est lui, non, c'est pas lui, ta 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 ta. Mais moi, en tant que personne, avec la manière dont je réfléchis, et je l'ai dit, moi, je n'ai absolument rien contre la communauté homosexuelle, ça, absolument rien, je n'ai rien contre eux. Quand j'ai vu cette vidéo, moi j'ai vu quelqu'un qui se faisait attaquer. J'ai vu quelqu'un qui était en train de se faire battre par une personne agressive. Beaucoup plus forte, beaucoup plus fort physiquement et tout ça. Et une autre personne qui filmait, ce que j'ai trouvé totalement abject. Moi, c'est comme ça que j'ai vu cette vidéo. Que ce soit lui, que ce soit pas lui, mon problème n'était pas là. Mais il a dit un truc qui est hyper important. Il vient de dire quelque chose. Il me l'a dit, écoute, si la vidéo doit sortir, dans le show business, il n'y a pas de mauvais buzz. Il n'y a pas de mauvaise publicité. D'accord? Ça peut te faire du bien comme du mal, mais la cote va monter, que tu le veuilles ou pas. Moi, je me dis, ah, Dio, le gars, il est devenu encore plus célèbre et tout. Mais il faut que les gens sachent une chose. Il n'est pas normal, même si vous n'êtes pas d'accord avec la manière d'une personne, qu'une personne se comporte.
porte et tout, il n'est pas tout à fait normal de cautionner les vidéos lorsque quelqu'un se fait agresser, se fait tabasser devant tout le monde. Et puis tu te formes pour qui? Pour battre quelqu'un? J'en reviens. Tu n'es ni le Saint-Esprit ni Dieu. Tu te parles dans la vidéo, beaucoup de gens, comme on l'a dit, on a posé des questions. Est-ce qu'il est bisexuel? Ça, beaucoup de gens se posent cette question. D'accord. Ouais. Maintenant, il y a des gens, par exemple, je me prends comme exemple. Si je dis tout de suite, moi, par exemple, je suis. Admettons, je suis bisexuel. Je le dis toujours, admettons, je suis bisexuel. Léno, qui est là, comme ça, là, qui est complètement contre ça, un jour je viens, je le vois, je le salue. Il s'énerve. Juste parce que je le salue. Pourtant, je suis là, comme ça. Je dis, ah mon ami, comment tu vas? Je fais un caca. Il peut. Hé, tu penses que c'est quoi? Il m'attrape. La réaction des gens est tellement non justifiée. C'est, enfin, si c'est parce que quelqu'un est bi ou qu'il n'est pas bi, il ne peut plus être un être humain, il ne peut plus te dire bonjour. La réaction des gens est parfois totalement non justifiée. Allez-y, Léno. Écoute, moi, ce que je vais dire, je pense qu'aujourd'hui, Fekani a atteint une dimension. Sa carrière, sa jeune carrière fait des jaloux et fera forcément des jaloux. Et je pense que c'est maintenant son manager, lui-même et toute la structure qui est derrière, il faut que les gars protègent les artistes qui est faux de Kani. Parce que où il est très exposé. Parce que ne le connaissant pas, quand tu le vois, automatiquement, tu as l'impression que tu es en face d'un gars pareil. Qui d'entre nous n'a jamais été approché par un homo? Qui? Mais est-ce que tu vas gifler quelqu'un parce que c'est ça? Mon frère, excuse-moi, je ne suis pas dans votre business. Tu suis ta route. Est-ce que j'ai besoin de gifler quelqu'un? Non. Moi, je ne dis pas combien de fois j'ai été approché par ces gens. J'ai même fait des reportages sur eux. Pendant 3 mois, je vis avec eux. Je sors, mais ils passent par toutes les manières pour m'avoir, mais j'essaie de les esquiver jusqu'à ce que j'ai eu ce que je voulais. Donc, je pense que ça fait quand il de faire aujourd'hui très attention. Parce qu'il est arrivé, sa carrière démarre tout d'un coup à travers des petits mots, parce qu'il est très inspiré, il crée des choses, quelle intention, ça. Ça fait forcément des jaloux. Et même dans son milieu, il faut qu'on le dise. Parce que même dans son milieu aujourd'hui, il dérange. Il est venu trouver des grands frères devant lui qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ces gens-là sont là, ils n'ont pas ce succès. Et puis voici un gars qui sort de nulle part, moins de 2 ans, il pète tout sur son chemin. Ça fait des jaloux. Comme je le dis toujours, nous sommes dans un milieu de jaloux. Le milieu de la culture, le milieu du show business, c'est un monde de démons. Il n'y a pas de sentiment. Tant qu'on pourra le détruire, ils vont le détruire. Donc, c'est à son manager aussi, qui connaît bien le milieu, mettre une bonne structure autour de lui, protéger Fekani et éviter souvent qu'il soit dans des endroits où il est exposé. Parce que lui-même, sa morphologie, sa corpulence, sa manière de faire, pour quelqu'un qui n'a pas un esprit très élevé, tu diras, mais attends. Et il y en a beaucoup. Lui, là, il veut s'amuser avec moi, il pense que je suis comme eux. Rapidement, ils vont le gifler. Et même où il est en ce moment-là, il est encore un élément à risque. Donc, à lui de savoir désormais où il met ses pieds. Oui, mais c'est de la jalousie, c'est de la méchanceté. On a besoin d'évoluer maintenant. Certaines personnes ne sont pas vraiment éveillées. Tu ne peux pas gifler quelqu'un en Europe parce qu'il est homosexuel. Ou dans certains pays, tu n'oses même pas. Mais même pas, même mal le regarder. Tu n'as le droit de t'en prendre à quelqu'un. Donc, je pense qu'il est très exposé. Il est très exposé. Donc, à lui de faire très attention, de savoir là où il met ses pieds, comment il doit fonctionner. Et puis, il s'occupe de sa musique. Ceux qui savent qu'il n'est pas de ce monde, il a dit, on ne peut jamais plaire à tout le monde. Jamais. Super. Moi, honnêtement, j'ai eu la chance de l'observer en Égypte, comme il a dit. Dès qu'il rentre, 20 ans ne le trouvait plus dehors. Mais pour quelqu'un qui fait ça, mais on sait comment. On sait le monde du Maghreb, là, comment ça fonctionne. C'est un autre level. Hein. Là-bas, ils connaissent le Coran, mais Dieu, c'est un autre monde là-bas. Alors on va aller voir donc la réaction des gens par rapport à Fekani. Regarde, on allait rencontrer des gens dans la capitale. On leur a posé des questions par rapport à toi, par rapport à ce qu'ils pensent de toi en tant qu'artiste et tout. Et on va suivre ça avec les téléspectateurs, ok? C'est l'avis des gens réalisé par Zéat, on regarde ça et on revient tout de suite. Rafi ou Fanny, on a Ramayer Fanny, à Sigi Sam qui en a rabidé, non, tout n'a pas un moment. Alors, toi, voilà mon ami, de mon boss, ma fille de Toraré, à la ville, ma Sigi, ma colonne, à la maquille à mon dumba, quelle intention, quelle rare, il va à tout, après ma rale Sigi Nagenagi, Sigi Fanny Nani, les baracolo, parce que même une mourine d'aller Sigi de ça, à mon femme, ma bille, ma baracolo, et Rafi, mon femme, ma bille, ma. Fekai Camara, bon, c'est un gars qui représente l'humoriste en fait. C'est un gars, il est bien.
c'est un homme de talent en fait. Mais il est sur la voie d'exprimer son talent. C'est un homme, j'adore beaucoup ce qu'il fait. C'est mon idole en fait. C'est mon idole en fait. Il fait beaucoup de choses quand même. C'est juste pour plaisanter, pour attirer l'intention des gens. C'est raison pour laquelle il le fait. C'est pour qu'il soit populaire en fait. En me disant oui, oui. Je le vois souvent sur les réseaux sociaux, avec les clips aussi souvent. Il n'est pas mal. Ouais, il n'est pas mal. Souvent avec ses décorations d'habillement qu'ils font souvent là, ça me fait vraiment rire. Il est vraiment drôle pour ça. Il ressemble un peu à un humoriste. Parce que souvent, quand il fait des choses, c'est un peu drôle quand même. Le jour de l'anniversaire de Lamine Guirassy, je me rappelle, j'ai vu une vidéo. Il faisait des choses comme une fille. Il chantait, il fait des choses, des gestes comme une fille quand même. J'ai vu ça, oui. Fekai Camara, c'est un homme bien. Il est toujours présent pour ses amis, ses frères, ses soeurs. Donc, vraiment pour moi, c'est un homme gentil. Je l'aime, je l'admire beaucoup parce que je vois ses vidéos, ses stories. Donc, je l'admire quand même. J'aime ce qu'il fait. C'était donc l'avis des gens réalisé par Faïsan Zayas. Merci, Sistivi. Merci. Alara Antonio Soare Mali. Vraiment, na folo manana singe ma sindi. Alara o Mali menge marigi. Ah, on continue à camera et on va le commencer à faire ça. Maintenant, ma gana fulu. Alors, ça, c'était réalisé par Faïsan Zayas. C'était pour que, on va aller rencontrer des gens pour qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent de toi en tant qu'artiste, en tant que ce que tu fais pour ce pays-là. Parce que, comme ils l'ont dit, tu vois, tu es très drôle et tout. Et ça plaît aux gens ce que tu fais sur Internet. Il fait des rires là-bas, il y a la fille là-bas qui... Et on a coucou la famille. Coucou la famille. C'est ce qui plaît aux gens. Alors, moi, j'ai pas du tout envie qu'on s'étale beaucoup sur ces fausses histoires. Mm-hmm. Parce que cette vidéo-là, pourquoi on ne l'a pas partagée? Si cette personne-là était ici, on allait recharger cette personne-là et l'enfermer parce que l'acte que cette personne a fait... Il ne faut pas... Il m'a publié dit. Il y a inbox. Non, il te bat, la publication en main. Attends, Abel, tu lis, c'est de ça on parle. Ah, ok. Quel que soit. Ah, mon ingénieur est Dakar, et t'as une loge à Dakar, il y a un bar. Après, il faut retirer mon anasoro. Mon anasoro, comme on a. Natan le sarne, quoi. Natan le sarne, mais. Nana Kili. Il va la comprendre. Mon anasoro, il y a un anasoro qui est là, il est en Guinée. Après, on a le Dakar, en 2 mois, n'a pas pu essayer de grand tog. Je suis grand tog au Dakar, mais en Mali. Je suis Dakar jusqu'à 2 mois. Après, mon affaire est réglée. Après, je suis 120 000 CFA. Je suis allé avec mon téléphone. Mon téléphone est en train de se faire. Mon téléphone est en train de se faire. Après, il faut fouiller les postes. C'était bon sauvage tout ça. Super. Alors, on va ouvrir l'antenne tout à l'heure là pour que les téléspectateurs puissent nous joindre en direct pour parler à leur star qui est Fekai Camara. Alors, Fekai, aujourd'hui tu es marié. Tu es père de combien d'enfants? 3 enfants, c'est 4, un c'est décédé. Mais c'était clair, le papa il aime tellement, il s'est allé tellement que Guinée l'a fait bas. Forcément tes enfants allaient être. Je vais poser une question à Fekani. Oui, allez-y. Fekani, tu es aujourd'hui un artiste. En te voyant, on te prend souvent, on te confond à un homosexuel. Est-ce que dans notre pays ou ailleurs, tu as déjà été approché par quelqu'un, un homme comme toi, qui a souhaité avoir une relation sexuelle avec toi? Est-ce que quelqu'un... Astaghfirullah. Non, c'est pas que Baraba, mais est-ce que Khamé Baraba... Traduis ça, voilà. Est-ce que Khamé Baraba bouge bien Afa? Jamais, il n'a jamais bougé vers Sindé. Afa, il y a bien un bini à Touri, à Nama. Oui, mais Rafi là-bas qui est déjà... Des femmes n'aiment pas mes changeurs, ma... Des femmes n'aiment pas mes changeurs, ma... Et c'est de ma page, j'ai hâte, ma... Des femmes n'aiment pas... Mais certains essaient quand même... Messenger, WhatsApp... Voilà, messenger... Okay. Et c'est mon messenger, ni bloqué. Mais fais-toi fait, c'est mon femme. Ah, une femme, bah, fais-toi, t'as une femme. Non, mais c'est mon nez, Ah, mais toi aussi, tu vas pas gifler, hein. Ah, mais moi, gifler, mais t'as dit, quoi, non, moi, j'ai intention, mon dieu. Voilà, quelle est l'intention, bah, voilà. Quelle rare. Mais non, alors, fais-toi bien, une fille, fais-toi une heure de dîner. Il me fait une heure de dîner. Il s'est m'a gré, alors,
le long en falarna qui a falafé en fatan yere des mangs en fatan fatan quatre et marcher et marcher doucement. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, toi, Fekai, tu n'es pas contre cette pratique. C'est-à-dire, ni rien à PDA, ni à Femi Torori, c'est non, 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 mon Toro débat. Non, c'est ma cancana ramiti, na cancana da kinara. Mon homme est contre le monde, ma fille fait le bas de Nai Toro. Non, c'est ma dunia, à la nam neri ma kitima. Eugena nan, Eugena nan, tantoma yamanaki, nama far la salle sous l'issou, nama de maya souring, nala magande mala, ma de maya rabambelare. Ba. Ana fanna ba tungi mana amuna kan fala non dinara dunya nanara ini na fibidi rasa salinu limani afari ni fanka yi nan naki dunya nanara inun tuni yele nan ni khabu ntan non biri nara ntan non biri na mugire suma mi khabe mu mi khombe ma mi khabe ma shte pale calculer les gens ouais